Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, mademoiselle? Je lui montre, parce qu'il me dit sur un cheveu court, sur les hommes par exemple, comment on fait, vu qu'on n'a pas le droit de peigner le produit, Tout à fait. Donc, je lui dis, bah, tu coupes des petits papiers et tu viens, comme ça, pendant ton temps, ça va relativement vite, hein, pendant ton temps de pause, donc tu as 1,5 cm près de la racine, et petit à petit, tu remontes comme ça. Sinon, une application sans le papier, ça n'existe pas. Mais le problème, c'est que l'application sans papier, si t'as un cheveu qui frise vraiment, et ben, ton réducteur, pendant son temps de pause, il ne sera pas en position raide, hein, puisque tu n'as pas le droit de peigner ton produit. Et pas fixé à deux en même temps, non? Pardon? Il ne fixe pas les cheveux dans la position là où... Et non, il ne le fixe pas parce que sinon il faudrait que tu le plaques sur ton cuir chevelu et tu n'as pas le droit de mettre le produit au niveau du cuir chevelu. Donc tu n'as pas 36 solutions. Voilà, ça va relativement vite. Hein. Si tu as pris le coup de main, plouf, 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 tu défrises, c'est en position allongée, tu remets ton petit papier. Ça va, je vais assez vite, monsieur Legros, je suis rentable. Merveilleuse. On pourra vous embaucher à l'école de coiffure de Narbonne. Trop cher. Trop cher. Trop cher pour vous ou trop cher pour nous?